C'est la mère Michel qui a perdu son chat, qui crie oh, oh. Te moque pas, ça nous est déjà tous arrivé un truc comme ça. Quelle surprise la seconde boulangerie du jour réserve-t-elle à notre jury ? La réponse, dans le charmant village de Saint-Céré. Allez, c'est bon, on s'est déjà tous pris une vite dans la tronche au moins une fois dans notre vie. Moi aussi, c'était la porte de la boulangerie quand j'étais plus petite. Tiens, il n'y aurait pas un complot entre boulangers, là, d'ailleurs ? C'est vrai, ça doit mettre un peu de piquant dans leur journée. Attends, t'imagines ? Alors moi, aujourd'hui, je parie sur 5 clients. Ouais, ma vitre, elle est nickel, peut-être même 6. Non, mais sérieux, ça doit être marrant pour eux. En attendant, ce chat a dû se faire particulièrement mal vu la vitesse à laquelle où il allait et aussi la détermination qu'il avait, bien entendu. Je me demande même s'il ne s'est pas assommé. Bon, maintenant, je vous propose de faire un petit jeu, un blind test. Je vous passe le début d'une musique et vous devez deviner ce que c'est. Cette musique-là, par contre, a été totalement refaite avec des instruments de musique. Alors, t'as deviné ? C'est le générique d'une série que tu connais forcément. En tout cas, il y a de fortes chances que tu connaisses. Mais il se démerde plutôt pas mal avec sa cuisine, le mec. En tout cas, s'il fait à manger aussi bien qu'il fait la reconstitution de musique, je viens me faire inviter, moi. Alors, je te dis à la semaine prochaine, et surtout, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et notre page Facebook. Tout en regardant mes anciennes vidéos. Et puis, à la semaine prochaine !